Rouleau. Rouleau applique les freins dans le coin. Passe à la pointe pour Mathieu. Le long de la bleue pour Pellerin. Pellerin s'avance, tire de loin, dévié devant le filet. Ça a raté la cible. Et le retour, Urtubiz qui met fin à la séquence en emprisonnant cette rondelle. 11 secondes à l'avantage numérique. Fouillette qui vient récupérer cette rondelle. Laisse dans l'aile, derrière, un tir. Oh. Voilà le but. Oh, une longue passe au départ là, de la part de Vincent Fredette qui a permis aux Saguenayens de s'amener une remise de Bédard derrière lui. Et voilà que Vermette marque le premier but du match. 1-0 les Saguenayens prennent les devants. Ouais, on voit la reprise, là, tu l'as mentionné, longue passe transversale. Et ensuite, là, il y avait une ouverture là, à Vermette qui s'amenait en maraude. D'un tir des poignets du côté du bouclier. Là, souvent. Pellerin. Pellerin se déplace. Ça avance son tir. Je crois que ça a touché Coulombe. Ouais, c'est lui qui a fait dévier dans le coin. Devant le filet, Frenette reprend. Passe à Sivigny. Tire sur réception. Voilà le but. Dévié par Coulombe devant le filet. Et c'est l'égalité 1-1. Belle déviation de Coulombe parce que je crois que Lilvinov faisait l'arrêt sinon. Ouais. Et il a fait dévier tout juste devant lui. Ça s'est faufilé entre les jambières du gardien des Saguenayens. L'avantage numérique des Tigres leur permet de créer l'égalité 1-1. Mathieu, les deux buts ont été marqués sur des jeux ratés. Le premier but des Saguenayens. Au cercle, il applique les freins. Tente de remettre à la pointe, se ravise, laisse dans le coin, mais c'est repris par Hébert qui décante. Trois points pour les Saguenayens. Hébert s'amène sur la droite. Hébert, son tir, arrêt de Urtubiz. Rafano Mezensouar reprend. Laisse derrière pour Hébert. Hébert veut remettre devant le filet. Tire à bout portant. Arrêt de Urtubiz sur Fortin. Le jeu s'arrête. Une fin. Installe l'attaque de même si on est à 4 contre 4. Passe à Frenette pour Roy maintenant. Roy sur sa droite pour Sivigny. Sivigny pour Frenette. Ça avance vers le filet. Pour Roy, c'est bien fait. Tire. Voilà le 2. P.O. Roy à 4 contre 4 et c'est 2-1. Quel échange en territoire adverse. Absolument. Et P.O. Roy, lui, était posté là, dans un rôle d'ailier là, sur ce 4 contre 4 lorsqu'il s'est amené pour appuyer l'attaque. Et P.O. Roy qui bat là, le gardien Litvinov un peu. Un peu au même endroit que le premier but des Saguenayens, Pascal. Hein? En effet. Et quel échange du premier. Qui dégage faiblement au centre. Carrier reprend. Passe à Bouranoumoué pour Cormier. Cormier en entrée de territoire, là, c'est un défait de la France. Cormier devant le filet, son tir, voilà le but. Tommy Cormier, il s'est moqué de la France qui allait le mettre en échec. Il a protégé la rondelle et s'est servi de cette mise en échec de la France pour se propulser vers l'avant. Et Cormier qui voit de petits bijoux. Absolument. Les Tigres. Superbe tir de Tommy Cormier. Quelle trouvaille de Kevin Cloutier. Alors que la saison était déjà débutée, il marque déjà un 12e but en 22 matchs. Un 32e point pour lui. 33e point même, devrais-je dire, pour lui depuis le début de la saison. 10-37 à faire. Deck qui retourne la politesse à Nadeau maintenant pour Gorgonov en entrée. Il y a de l'espace. Gorgonov coupe devant les deux défenseurs. Son tir dévie dans le coin. Le retour repris par Deck. Deck tente de se faire le gardien. Voilà le but. Ça a dévié. Loïc Deck. Et c'est 4-1 les Tigres. C'est un tir, ça, qui n'avait pas beaucoup d'angle de Loïc Deck. Ça a dévié le gardien qui a été surpris. Et on va procéder à un changement de gardien, Pascal. À mi-chemin dans le match. 8-57 à faire. Belle poussée de Gorionov. Son premier lancer dévié dans le coin. J'essaie de voir là, le tir de Deck qui a dévié sur le gardien, qui a ramené la rondelle. Une feinte. Passe sur sa droite pour Fredette, mais c'est perdu. La Prichepa va s'échapper. On est en fin de présence du côté des Saguenayens. Prichepa veut une feinte. Son tir, bel arrêt du gardien. Oui. Il cherche la rondelle. La Rose au retour, mais Brassard qui emprisonne. Le jeu s'arrête. 5-0-8 à faire à la deuxième période. 4-1 les Tigres. Ah, c'est une belle feinte de Prichepa sur la séquence. Il a même mis la rondelle aura la glace. Oui, on voit la reprise. Et le gardien Brassard. Du bout de jambière, là. Ouf, on était. Tiens, Brassard. Du bout de la mitaine. L'attaque se poursuit. On remet dans l'enclave. Frenette son tir. Voilà le but. Cornel Frenette. Il est venu soutirer la rondelle. Un joueur des Saguenayens tout près du filet. Et les Tigres font 5-1 avant la fin du deuxième 20. Et Cornel Frenette marque un sixième but. Dans un but, en fait, dans un cinquième match de suite. Ça en lui a fait 6 dans cette séquence. Wow. Qui se poursuit pour le capitaine des Tigres, Cornel Frenette. Du bon boulot encore une fois des Tigres. Et ça a débuté juste avant avec ce tir à bout portant de Desrochers bloqué là. Par la suite, tu le mentionnes, Frenette est venu soutirer la rondelle. À Blais devant, là, devant son gardien. Il a voulu Blais, derrière le filet, contourne le but. Blais arrêté par Carrier. Carrier pour Gorionov.
Il est stoppé par Fredette. On remet dans l'enclave. Newcomb tire à bout portant. Voilà le but. Retour de lancé. C'est Zachary Roy qui marque. C'est 5 à 2. Xavier Roy. Zachary joue à Plainville. Toutes mes excuses. Sur un retour de lancé, on avait oublié tout d'abord un joueur dans l'enclave qui a pris un tir. Subise a fait l'arrêt, mais au retour, il n'a pu bloquer Xavier Roy. Les Saguenayens réduisent l'écart à 5-2. On ne doit pas s'endormir du côté des Tigres. Trois buts d'écart seulement. Avec beaucoup de temps à jouer à la troisième période. 17-14 à faire à la troisième. C'est maintenant 5-2. Pour Michaud. Envoie près du filet pour Cormier de l'autre côté. C'est bien fait. Dérocher s'avance devant le filet. Et on a effleuré la rondelle au passage. Attention, ça se poursuit. Frenette remet devant le filet. Tire devant la but. Antoine Dérocher. Et c'est 6-2 les Tigres. Parce qu'on a étourdi la défensive des Saguenayens sur cette séquence. À la première occasion, ça n'a pas fonctionné. Mais à la deuxième, Corner Frenette a été patient. Il a remis à l'embouchure du filet à Antoine Dérocher qui s'amenait en maraude. Le défenseur des Tigres marque. Et redonne une priorité de 4 buts aux Tigres. C'est maintenant 6-2. Un deuxième but marqué par un défenseur des Tigres cet après-midi. Oh oui. Tir qui a touché l'extérieur du filet. Frenette dans le coin. On prise avec Fortin. Fortin est le meilleur. Et on rejoint Rouleau. Rouleau en pleine vitesse. Territoire adverse. Tir du revers. Voilà le but. Quel beau tir du revers de William Rouleau. Et c'est 6-3, avec 7-41 à faire à la troisième. Rouleau très rapide s'est amené dans l'aile et souvent, là, c'est rare qu'on voit les joueurs opter pour des tirs du revers. On tente souvent de revenir de leur bon côté. Lui, il l'a fait et il a battu Nicolas Urtubiz. C'est un très beau tir dans le haut du filet. Encore une fois, côté du bouclier, là, près de l'épaule. Il laisse à Michael Pellerin sur sa droite pour la France. Tire de la France, c'est arrêté. La Rose qui saute sur le retour, son dégagement stoppé. Mais attention, Degg s'en va dans la rondelle. Arrive à l'allée rouge, tire de loin et voilà le but. Loïc Degg. C'est 7-3 les Tigres. Ouais, on a perdu la rondelle du côté des Saguenayens à la ligne bleue des Tigres. Loïc Degg était tout près. Il en a profité pour s'assurer tout d'abord de s'avancer, d'avoir un bon angle de tir et de battre, de réussir à tirer dans un filet abandonné. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'est assuré de traverser la ligne rouge, s'amener au centre. Barry, son tir, dévie. Dans le coin, même reprend. Derrière le filet, Fortin pour Raffano Mezensoa. Et là, on célèbre déjà chez les Tigres avec quelques secondes. Voilà, la sirène qui annonce la fin du match. Victoire convaincante des Tigres par la marque de 7-3 sur les Saguenayens de Chicoutimi. Joyeux Noël. Les Tigres.